Salut tout le monde, c'est SuperJu45 pour une vidéo donc sur World of Tanks. Donc voilà, c'est une petite vidéo là, sympa. J'ai fait la signe de maîtrise. Je suis pas fait un signe de maîtrise parce que je l'avais déjà, mais je fais une contribution décisive là, donc avec mes amis du clan là. Comme vous voyez, on est pas mal en haut de la partie. C'est pour ça qu'avec les headers, ça fait très très mal. Donc bon, là, à part ça, bah, je tenais à vous parler un petit peu de ma chaîne. Là, je pense que je vais faire pas mal de parties, des bonnes parties au T54. Là, j'ai eu le T62A récemment. Bon, j'ai pas enregistré mon premier replay, c'est un peu bête, je regrette un peu. J'avais fait la sénatrice classe 2 et 4000 dégâts, mais bon, tant pis. Je vous montrerai probablement mes as du char à l'ELCMX, au KV1 et au Matilda. Puis c'est je crois, les seuls autres as du char que j'ai fait. Peut-être Wether aussi, où j'ai fait 7 kills. Et puis bah, sur ce, je vais vous montrer le replay. C'est parti. Donc là, on est avec mes potes du clan, là, on a décidé de se faire une petite après-midi avec les headers. Donc là, au début, on a Belenos, l'ami Belenos, qui n'était pas connecté. Non, il avait des problèmes de son, il réglait ses problèmes de son. Moi, je suis parti, je l'ai pas attendu, l'autre 45, il est resté avec lui. Il s'est dit, je l'abandonne pas. Donc finalement, hein, la partie a quand même été gérée très très vite. Donc je décide d'aller à l'église, hein, parce que le headser est pas mal rapide, comme vous voyez, 35 km/h par là. Et donc, bah, je décide d'y aller. Je m'arrête là, puis je me dis je vais attendre les tanks. Je vais voir ce qui arrive. De l'autre côté, là, il y en a 2-3 qui ont été spot. Et là, je vois l'autre, là. Donc je me mets en halt, hein, pour bien que vous voyez les dégâts. Là, je dis, tire, je ne pas. Là, il y en a un qui arrive direct. Je pars derrière, il tire, ça va shot. Et là, je vois qu'il y a mes amis qui arrivent, là. Donc il y a Cloud 45 qui va dans l'allée du milieu, puis Belenos qui me suit. Et là je décide de les prendre à revers. Et là avec les headers ça va très très vite. Avec petit coup de lag qui me fait prendre le mur. Allez plutôt direct, il a pas le temps de comprendre ce qui arrive. Alors là je vais arriver sur le T40. Je me dis que je vais la voir. Et non, en fait c'est Cloud 45 qui va la voir. Marder 38. One. L'autre de derrière, one. On est à 5 kills, on a plus les 5 seuls kills de l'équipe là pour l'instant. La Belenos qui avait aucun kill jusqu'à l'heure actuelle, je lui dis je retourne à la base, que tu es le Q85B. Pour revenir en arrière. Cloud 45 a détruit le Cloud 21. Petit arty. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Ah oui, avec le Header ça va très très vite. Hein. Alors je m'excuse d'avance, j'ai pas enregistré les résultats. Hein. Derrière, Marder 2. Il va goûter à l'objet explosif du Hector. Et là. Boum. On a fait 10 kills. Et on a le sextoy qui se montre là. Un tir, il est fini. Il reste plus qu'un. Il nous manque plus qu'un kill. Et là, comme vous savez que c'est une contribution possible, vous savez qu'on va l'avoir. Mais. Dégage vachement le suspense. Parce que là, je vous assure qu'on a vraiment stressé. Hein. C'est à tous, hein, c'était notre première médaille contribution décisive. On voulait absolument la voir cette médaille. Et là, le D2 apparaît. Un Cloud 45 et un T40 derrière. On sait pas du tout ce qui va se passer. Il a pris un tir en 191, il va être shotable par n'importe quoi. Et là, on va tous s'y mettre, on va pas resserrer notre petit rond. On va tous nous manquer, Cloud 45 est masqué, je manque. Et là il y a Belenos qui l'a juste derrière. On a vraiment eu chaud. Et là du coup,
on a eu 30 missions décisives puisqu'on a fait nos 12 kills et on était vraiment content. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez du World of Tanks, bah, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez mettre un petit j'aime si vous avez aimé. A plus.